Le phénomène est apparu dans les années 80. Certains l'attribuent aux extraterrestres, d'autres cherchent des explications plus rationnelles. C'est le cas d'Umberto Molinaro, un architecte qui habite à Wattini. Il vient de publier un livre sur le sujet. Laurent Navez et Paul-Albert Druon l'ont rencontré. Plus de 10 ans d'enquête et de recherche, mais toujours les mêmes questions, la même volonté de comprendre et une conviction. Umberto Molinaro en est persuadé, les crop circles ne sont pas l'œuvre d'humain. Les crop circles, par exemple, de 45 000 mètres carrés, comme celui-là, qui fait avec 420 cercles, c'est le genre de phénomène qui se passe en quelques minutes. C'est tout. Pour faire un crop circle de cette façon-là, on peut le faire, mais il faudrait des engins incroyables, c'est hallucinant. Tout a commencé pour cet architecte en 1996 avec cette figure apparue en moins d'une heure dans un champ de blé de Stonehenge, au lieu historique de Grande-Bretagne. Depuis, il cherche, rassemble des informations. Des mathématiciens se sont penchés sur le phénomène, mettant en évidence dans chacune des figures les règles de la géométrie sacrée utilisées dans l'Égypte antique jusqu'au temps des cathédrales. Autre constatation troublante, l'état du blé dans les cercles. Le blé n'est pas fauché, il est simplement plié et plié à la racine. Toutes les expériences montrent que pour le plier à cet endroit-là, il faut une très grande source de chaleur, mais pendant quelques nanosecondes. S'il écarte toute intervention humaine, Umberto Molinaro ne croit pas non plus aux extraterrestres. Dans son livre, il évoque les effets de l'énergie, la force des ondes électromagnétiques. Tout cela nous échappe. C'est-à-dire qu'il y a une force au-dessus de nous, une grande intelligence au-dessus de nous, et on n'a pas les moyens pour l'instant, on ne peut pas y aller. C'est dans la voie d'une force de vie que l'auteur continuera à chercher. Cette force qui, selon lui, nous enverrait un message d'harmonie et de beauté que nous recevons, mais loin encore de pouvoir le comprendre. Et c'est la fin de cette édition. À suivre sur France 3.